Aujourd'hui, breaking news, on va tout défoncer! Non, non, je déconne, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, hier, vendredi 13, hein, eh bien, il y avait eu 8 attaques terroristes qui se sont déroulées dans 4 endroits différents en Île-de-France. Et nous, on va parler de 2 endroits différents. Au Bataclan, qui est un théâtre où il y avait un groupe de rock qui était en train de jouer, plus précisément du hard rock, non, je déconne, il y avait eu des mecs qui ont retenu d'autres personnes à cause de revendications politiques ou autre chose. Et puis après, une grande fusillade a eu lieu. Alors, notre cher... Ah, vous l'attendez. Président de France annonce faire une attaque aux gros méchants loups, hein, qui sont les assaillants. Et ah, malgré cette attaque, il y avait eu beaucoup de morts et de blessés. Oh là là, c'est triste ce bordel de merde. Et dans ces beaucoup de morts, il y a eu... les gros méchants pigeons. Oui, car ils avaient sur leur corps des ceintures explosives. Alors, comme ils ont pété eux aussi. Ensuite, au Stade de France, il y a eu des explosions aussi, qui se sont bien fait entendre partout dans la France, hein, partout chez Jupiter aussi, hein, non je déconne, il y avait eu aussi des personnes qui sont mortes, et le match a continué, bordel. Et attends, s'il y avait un hélico qui serait descendu sur le terrain, ça serait pas grave, hein, il serait placé dans une équipe, et puis ils auraient joué, bordel de merde. Et le bilan, c'est 120 morts et beaucoup trop de blessés. Et les habitants sont invités à ne pas sortir de chez eux. Et presque tout est fermé, hein, même les écoles. Yeah. Et ceux qui ne trouvent pas d'hébergement peuvent se réfugier sur Twitter avec le hashtag porte ouverte. Mais vendredi 13, c'est le jour de malheur, non? Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, hein, comme les désinformations internetisées, et surtout, partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, yo tout le monde!